Salut à tous, c'est le Loup Fermier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la map Belgique Profonde version 2.5. Nous jouons sur le serveur Wolfarm et je suis en compagnie de Zach, qui est Et mon salut. sous-admin. Alors Zach, j'ai envoyé des candidatures, enfin des, j'ai envoyé une info dans le journal Pôle Emploi, comme quoi je recherchais des agriculteurs et des forestiers. Donc surveille la ferme. Il doit y avoir normalement des gens qui devraient arriver. Oui, j'ai vu une personne, même deux. Normalement, je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui, elle devrait pas tarder à arriver. Ok. Bon, mais je te tiens au courant sur le talkie. Ok. Allez, terminé. Donc ici je me dirige à Bioserre. Donc voilà. Donc on commence à partir de rien. Donc ici j'ai été faire de la récolte avec Zach. La récolte, on a récolté un champ de blé. On a mis le restant qui reste trouvé dans le silo dans une benne que je suis en train de conduire à Bioserre. Si je trouve la route, parce que on vient tout juste d'emménager en Belgique. On était à Bjørnholm avant. Hein, donc dans les épisodes précédents, vous avez bien vu, on était à Bjørnholm. Et ici, on va changer carrément notre style de vidéo, notre façon de faire. Zach, tu me reçois? Oui, je te reçois, oui. Donc j'arrive au Bioserre. Ouais, du coup, là, ils viennent d'arriver, là. Ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur, oui. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, D'accord. je cherche la ferme. Oui, c'est nous, effectivement, oui. On est associés. Ouais. D'accord. Bon, donc, du Pour coup... l'annonce de Pôle emploi. Ouais. Ok, Et là, du coup... bah tu peux me les passer, je les entends à la CB, donc tu peux me les passer. Ouais, d'accord. Je vous passe un peu le patron. Donc du coup, en fait, on avait mis sur l'annonce Pôle emploi qu'on recherchait des ouvriers pour le forestier et l'agricole. Donc on va attendre le patron et puis on va parler de vos compétences. D'accord. Alors je vais déjà commencer à leur demander leurs compétences, donc passe-moi un déjà, qui se présente. Je te présente vous là. Comment vous appelez? On sait quand le cas. D'accord, Kanka. Bon, je vous passe le patron. Tenez le toki. Un petit coup, il va bientôt Merci. arriver. Alors là? Allô, allô, bonjour. Donc, c'est Kanka, d'après ce que j'ai entendu. Oui, c'est ça. Ok. Kanka, donc, dis-moi un petit peu tes compétences sur le temps que je fais la route. Donc, ici, je suis à Bioserre. Je sais pas si tu connais. Ouais. Nous, on vient d'emménager. Oula, je prends un sens interdit. C'est pas grave. On vient d'emménager en Belgique et on était à Bjørnholm avant, donc on était une très grande société et donc on a tout vendu pour venir en Belgique et on a décidé de commencer à partir de rien, à partir de zéro. Dis-moi un petit peu tes compétences. Dans le forestier, je touche à tout, j'ai tous les cassesses nécessaires pour conduire les engins, j'ai 10 ans d'expérience dans le métier, Ok. j'ai toujours travaillé là-dedans. Ok. Mais pour le moment, il va falloir casquer si tu veux qu'on t'achète du matériel. Tu as déjà du matériel, t'as déjà un compte, t'as fait un prêt à la banque ou quoi? Enfin, je sais pas, t'as déjà du matos à toi ou bien il faut qu'on t'en achète? J'ai un petit peu de matériel, mais sans plus. Ok. Donc, ça va. Si t'as un petit peu de matériel, je te dirai quand on pourra commencer à faire du forestier. Attends, je reprends le Tokiwoki. Tu lui as parlé des horaires de travail? De la rémunération?
Non, je vais pas parler de la rémunération. Donc, pour le moment, la rémunération, donc j'arrive. Pour le moment, la rémunération, c'est comment dire? Ah bah il arrive le patron, on va pouvoir en parler. Hop. Bah, tu peux déjà leur en parler au niveau de la rémunération, Bah du le coup ouais, temps que je pourquoi pas, range. tant que tu sois là, ouais. Bah, du coup, comment vous appelez-vous? Romain, bonsoir. D'accord, bonsoir Romain. Du coup, on n'a pas eu le temps de parler de vos compétences, mais on va en parler. Donc c'est du 40-45 heures par semaine minimum. Donc ça va être Ouais. tendu pour vous, hein. Après, il faut pas oublier que c'est de l'agricole, quoi. Et les vaches n'attendent pas. Voilà. C'est de l'agricole, de l'élevage, donc on compte faire de l'élevage de vaches, de l'élevage. On va commencer par de l'élevage de vaches en tout cas. Ouais. Après, sur la rémunération, le forestier est légèrement mieux payé parce que le bois en ce moment a des bons cours, mais suivant les cours des cultures et des veaux, vaches, enfin des veaux et des porcs, parce qu'on vend des veaux, des porcs. Et un peu de canard. Pardon? Je sais plus si on va vendre des canards. Ouais, on va en vendre. Donc du coup, suivant le prix, votre salaire en dépendra surtout. Ainsi que le matériel, quoi, ce qu'il D'accord. faudra investir. Voilà. Donc du Bon, coup. maintenant vous avez l'argent, hein, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Voilà. Vous habitez dans le coin? Ouais, je suis de la ville à côté. Ok. Juste à côté, oui. Deux, trois maisons. Ah, il est là, Marcus. Ouais, j'arrive, j'arrive. Ah non, c'est pas Marcus, c'est Romain. Voilà, je suis là, je suis à côté de vous. Je ne te vois pas. Ah, merde. Bon, Bon, tant du coup, pis. c'est pas grave, t'as 4 mètres en face, là. Voilà, de toute façon, je suis en face de Kanka, là, et de toi. Pourquoi Romain est court? Romain, si tu veux bien te mettre à côté de Kanka, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà, comme Zach vous a expliqué, c'est beaucoup d'agricole, beaucoup de donc d'agricole et d'élevage. Alors le forestier, ben une fois que tu as le matériel adéquat, ben, je te laisse être le libre arbitre pour toi t'occuper de la forêt qui se trouve au fond. D'accord. Tu vas prendre un certain pourcentage, bien sûr. Voilà, on te prend, ouais, on te prend Pour le on te prend matériel, surtout. un certain pourcentage. On veut bien t'acheter le matériel, on veut bien t'avancer le matériel que tu rembourseras par après. Ouais, pourquoi pas. Nous, Donc, on fera un binôme avec voilà. Kanka pour le bois. Ok, ça Ouais, du va. coup, on n'a pas parlé de tes compétences, Romain. Oui. Enfin, à Ouais. part Marcus, parce qu'il n'était pas là. Bûcheron et de la ferme. Ok. Tu La travaillais ferme dans, aussi, tu un travaillais petit déjà peu. dans une ferme avant ou? Oui, je travaillais dans la ferme, dans une ferme, oui, avant. Ok. Bon, Bah j'ai fait sûrement du les cheval. anciens, propriétaires, non? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Bah ils ont été très gentils les anciens propriétaires. Hein, Zach? Oh, très courtois. D'ailleurs, il y a leur fille, Laura, Ah oui. qui nous donne un coup de main. Ouais. Qui habite pas loin aussi, hein. Là, ici, elle est partie en vacances. D'accord. Ok. Du coup, je vous fais signer le contrat. Par contre, c'est à partir de bah, tout de suite que vous allez commencer. Vous êtes en période de test ici à partir de maintenant. Donc aujourd'hui, il y a du taf, hein, Zach. Donc. Ouais. Il y a des trucs à faire. Après, on n'a pas encore acheté d'animaux. Donc, du coup, le contrat est sur la table. Je vous laisse le signer. Kanka, ça c'est pour vous. Voilà. Ah, c'est pour vous, Romain. Voilà. Parfait. Et hop. Voilà. Parfait. Très bien. Donc, ça sur Ben. le rebord de la fenêtre. Hop. Je Zach, laisse. Ouais. je te laisse faire le tour de la map avec eux. Donc du coup, ici c'est le jardin de mon patron. Ici nous avons un semoir qui fait je crois 8-9 mètres, un truc comme ça, ou 6 mètres, je sais plus exactement. On vient de Par l'acheter il y contre, a il y en a pas un qui te suit longtemps. plus, hein. Il est là. Voilà.
Donc du coup ici c'est la crampe, c'est une des plus grosses bennes qu'on a à notre effectif. Ici une plus petite, une flégère, plus adaptée pour les petits gabarits. Ici sur notre gauche vous avez le poulailler, donc on va acheter des poules. Nous avons le hangar où il y a une moissonneuse, donc on lande. Ah, c'est la plus petite. Ouais. Ouais, mais on compte en acheter une dès qu'on aura assez d'argent. Ici, vous avez un carrosage pour nettoyer le matériel, donc on est intransigeant. Et vous prenez le matériel, vous le nettoyez, vous le rangez. Ouais, D'accord. ne faites pas comme le patron ici, comme maintenant, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de le nettoyer, étant donné qu'on va l'utiliser, je me suis dit que ça servait à rien de le nettoyer. Oui, Oui, après, il oui, faut oui. pas les nettoyer pour dire de les nettoyer sans le Voilà. réutiliser. C'est sûr. Donc ici, vous avez un T6. Pour tout ce qui est chargement. Ouais, Donc qui est ici, voilà. chargement, et alors il y a une fourche à ballot un peu par là, de l'autre côté, que je vous montrerai après. Donc ici, silo. Donc blé, orge, colza. Ouais, tout quoi. Tous Ouais. les Et de ce côté, vous céréales. avez. Côté, vous avez l'avoine. Vous avez la chaux. Et Vous ici, t'as les avez betteraves. ici, vous avez le fourrage d'herbe, vous avez le fourrage de paille. Ici, vous avez les betteraves de ce côté à droite. C'est ça les betteraves, c'est là. Non, non, ça c'est pas de... où ça là? Non, dans le silo. Merde. Ah oui, c'est les betteraves ici. Et ici, vous avez les pommes de terre. D'accord. Ainsi qu'ici, vous avez un silo aussi. Ensuite. Deux silos pour l'ensilage ici. On a deux silos d'ensilage. Ouais, avec une grande capacité quand même. Ouais, une Ouais, très grande je crois que c'est capacité. 300 000 litres, un truc comme ça. D'accord. Ici, un petit hangar avec quelques tracteurs. Le Hurlingham H488. Et Deux tsars, je Ah, sais mais plus combien. il est à l'ancien propriétaire celui-là, je le conduisais. Nous l'avons direct la ferme. Ouais, Voilà. c'est ça, exactement. Et un semoir. C'est grand. Et vous avez l'endroit pour remplir les épandeurs d'engrais, pulvérisateurs. Et ici, vous avez l'endroit pour remplir les semoirs. D'accord. Ça vous avez. Ok. Voilà, ensuite, attendez. Vous avez une mélangeuse. Donc, fourrage paille, bottes de paille, ça marche aussi. Bottes de foin, fourrage herbe. Oh, j'ai bugué. L'ensilage. Ok. Vous me voyez Oui, là il y a du maintenant? fourrage d'herbe aussi. Je vois. Ah oui. Donc du coup, j'étais en train de leur montrer. Ici, vous avez tout ce qui concerne les On cochons. mettait les veaux, nous aussi. Ça, c'était les cochons. C'est les cochons. C'est les veaux. Messieurs, là. Allez, Donc, du coup, là où se trouve Romain, c'est les veaux. Ensuite, vous avez le parc à vaches. Oh, il est où? Attends. Je vais vous montrer ça. du mal à suivre. C'est grave. Faut dire qu'on a un Donc athlète ici, la avec salle nous. de traite. Donc ouais, on a une athlète. Ouais. D'accord. Salle de traite, donc intransigeant sur les normes hygiène. Avec vous rentrez les chaussures, vous trempez les chaussures dans ce bac là. Hein. Ou ici là. Y a un bac ou ça? Voilà, il y a un seau là. Ah oui. Remplissez D'accord. d'eau, vous nettoyez les bottes, les chaussures. C'est un truc de commande par rapport à la qualité du lait, à la température, tout ça. Pour le tank aussi, c'est indiqué, mais c'est moins précis. Il y a des statistiques sur l'ordinateur. Et ici, vous trouvez donc les tables des vaches. D'accord. Voilà. Ok.
Ensuite, je vous ai pas montré l'étape des moutons. Donc, du coup, là, c'est aussi pour les vaches. La même chose. C'est ici une mangeoire, hein. C'est ici la C'est une auge. auge extérieure, ouais. Donc ici, c'est la deuxième fourche pour le T6, si jamais vous la cherchez. Ouais, d'ailleurs, elle devrait être sur l'étagère. Mais c'est pas grave. Donc ici, c'est la sortie de la ferme, là où on s'est rejoint. Vous pouvez voir à votre droite, là-bas, arc à moutons. Donc pour l'instant, pareil, on n'en a pas, avec une auge pour le fourrage foin ou les bottes de paille, bottes de foin, bouillage mélangé, on nourrit les vaches, de toute façon, les animaux. Et ici, c'est pour l'eau. Où? Normalement. Ici, il me Non, semble que c'est pour l'eau. l'eau, il est à l'intérieur du pré. Ouais. Ah, oui. D'accord, donc ici, c'est une deuxième auge, juste. Là, c'est l'eau. Donc, il y en a un petit peu. Ok. D'accord. Bon bah, Voilà. Là, je pense que c'est tout, hein. maintenant on va passer un petit peu à l'action. J'aimerais bien voir ce que vous savez faire. Donc il faut épandre et semer. Bah, Donc là, je vais pendre, moi. D'accord. Et prendre quoi, du pulvérisateur? Non, L'engrais? mais je m'en charge, j'ai déjà chargé, je l'ai déjà rempli et tout. Ah, ok, bah vas-y. Il faut semer le champ. Alors, le champ 6, 7 et 9. Et moi, je vais les pendre aussi. Et il faut faire quoi d'autre? Pas le problème. Bah, le problème c'est qu'on a que deux tracteurs. Donc il y en a un qui va se tourner les pouces à mon avis. À moins qu'il fasse du bois. Bah du bois, il a du matériel pour faire le bois ou pas? Ponceuse, j'ai une tronçonneuse pour couper du bois. Ouais, mais le problème c'est que tu ne seras pas le transporter. Oui, mais je peux le mettre en, je peux le couper en bois de chauffage pour cet hiver. Oh, ça va être le bordel. Ouais. Oh, ça va être le bordel. Ce que tu peux faire, je vais regarder sur ma carte. Ce qu'il y a à semer, enfin ce qu'il y a à récolter dans les champs, Ah oui, il me semble qu'il y avait des trucs à récolter. dans les champs voisins. Ah, parce que vous possédez. Où On je n'a pas peux aller encore acheté tous semer, les hein. champs. On n'a pas Ouais, encore mais c'est. acheté tous les champs, mais de l'ancien Il nous a propriétaire. autorisé, hein. Mais il nous a autorisé, étant donné qu'il est parti à la retraite. Ouais, à cultiver, quoi. Et il nous a autorisé à récolter ce qu'il a laissé. Bah, du coup, il y a du blé dans le champ. Je vais aller semer, moi. Il y a du colza dans le champ 29, si vous voulez moissonner. Un grand Ah bah champ, je vais par y aller. contre. Non, il y a le champ 8 aussi. Le champ 8, c'est du maïs, par contre, merde. Bon, patron, je vais semer, je sème en quoi le. Alors, Il y a du blé dans le champ 32 aussi. du blé dans le Pour champ la blé, 32. donc. Ouais. Moi, le 32 est grand. Tu me sèmes du blé parce que pour le moment, je vais regarder ce qui est le plus demandé. Je pense qu'on devrait se commencer à faire de l'ensilage quand même. Mais on n'a pas d'ensileuse. Combien Ouais, une petite? on n'a pas d'ensileuse, hein. On va commencer par vendre des. Combien la petite ensileuse? Je sais pas. C'est la Big X, de toute façon, Faut que j'aille semer le y a pas champ. d'autres Non, non. ensileuses. C'est la Nex. Non, elle coûte 38 000. C'est la Nex 5. Tu peux faire de Quel l'ensilage champ? avec. D'accord. Attends, Romain. S'il vous plaît. 6, 7 et 8. 6, 7 et 9. Ouais, mais il demande ce qu'il faut semer. Du Ah, blé, du tu m'as blé. dit. On attend peut-être pas. Non, tu peux mettre Du maïs, je du pense. colza. Du colza, ça se vend bien. À AVV. À l'AVV, ça se vend bien. Pour Il y a 1139 le. euros la tonne. Ouais, il y a le champ 8 qui est prêt en maïs. Il nous appartient. Il y a le champ 22 aussi. Le 22 nous appartient pas. Mais on peut quand même. On va avoir de l'argent, quoi. On va avoir 36 000 histoire de pouvoir faire quelque chose. Je pense qu'à partir du moment où on aura 36 000, on pourra acheter déjà une ensileuse.
Par l'avant. Je vais regarder sur internet les prix des J'ai regardé sur le journal ce matin. machines un petit peu et je vais voir s'il n'y a pas de promotion. Ça m'étonnerait parce que c'est le premier jour qu'on est arrivé donc on n'est pas encore très Colza? connu. Colza ou Il n'y a Maïdo? aucun véhicule disponible en promotion par contre, ça c'est dommage. Colza, tu peux planter tous les champs qu'on t'a dit en colza. 7, 8, 9. 6, 7, 9. Voilà, 6, 7, 9. Donc, lanceuleuse. Et la Mex, elle se met où? Elle se met sur quoi? Un tracteur à l'avant. Là, tu mets une remorque à l'arrière et ça te la remplit. T'as jamais fait? Non, j'ai jamais fait. Moi, j'ai tout de suite travaillé. Faut dire que la ferme de Bjorn, c'était la ferme de mon père et j'avais déjà tout le matériel. Donc, je n'ai pas connu ce. C'est à l'ancienne, ça. C'est vraiment à l'ancienne. Ah, moi j'ai connu les mauvais temps avec ça. Hein. Ça te prend Alors, que 4 rangées. bah nous en Belgique, avec du petit matos, hein, souvent. T'es pas bien riche. ouais. Faut dire que Bjorholm, on était bien. Hein, Zach? Ouais. Après, ça devenait un peu trop monotone à mon goût, c'est pour ça que j'aime bien les petites fermes de Belgique. Bah, c'est-à-dire qu'on a eu une petite. On nous a demandé de déménager parce qu'ils ont voulu faire à l'espace de la ferme, ils ont voulu faire un grand. Ouais, Un pour grand augmenter le parc rendement, tout ça. d'attractions à la place de la ferme et donc du Ouais, coup non, mais ils ont parlé aussi de rendement, hein. Qu'ils ont dit qu'on n'était pas assez. On n'avait pas assez de rendement, quoi. on n'avait pas assez de rendement mais bon ça c'est l'excuse hein. C'est parce que quand tu regardes comment ce qu'on tournait et tout Ouais, parce qu'ils c'est cherchent l'hyper productivité, hein. Ils veulent se faire toujours plus d'argent. Hein. Comment ça marche un Bjorholm? Les traders ils demandent toujours plus. Ils veulent toujours les prix les plus compétitifs. Tandis que là, je pense que déjà on a un avantage avec l'avoine, on va pouvoir poser quelque chose de mieux. Perse. Vous avez fait une Donc révision au Dutch? quoi? Vous avez fait une révision au Dutch? Ouais. Roule mieux. Ouais, je leur ai donné un talkie-walkie tout à l'heure. Ok. Là, tu les attends sur la radio. Je reçois des messages de Red Lady. Je passe en vitesse seulement. Ok. Ils disent qu'on est en plein taf. Et pour repasser dans 5-10 minutes. Dis-lui, envoie-lui un message parce que moi je suis en plein vidéo, je suis en pleine vidéo. Ouais, d'accord. Bon, je fais une coupure.
Marcus à Romain. Oui. Tu en es où? J'ai fini le charbon et je vais rentrer chez moi, je suis occupé. Ok, ok. On est pas demain matin. D'accord, d'accord. D'accord, Kanka, tu me reçois? Oui. Et tu as quel champ encore? Pardon. J'ai eu du mal à freiner avec la benne derrière. J'ai essayé de prendre large pour voir au niveau de la route. C'est vrai que c'est différent par rapport à Bjorn et à Mazak. Alors, Marcus à Romain. Oui, j'arrive à la ferme. N'oublie pas de nettoyer ton tracteur, s'il te plaît, avant de partir. Bah, il reste un champ à semer, si quelqu'un veut le faire. Ah bah, tu peux laisser le matos. Il reste dans ce mois, il y aura assez pour faire le champ. Ok. Ok, tu peux ramener le matos à la ferme et... T'es pas obligé d'étaler. Oui, je laisse comme il est, je le pose, juste le bien qui gêne pas. Ah, par contre, si tu te mets là, Romain, ça va pas le faire. Non, mais j'ai avancé là-bas. Je suis en train de faire un petit peu de rangement. Marcus? Oui. J'ai fait venir une pelle au magasin. Ok, t'as déjà de l'argent? Non, c'est un ancien collègue qui l'a récupéré. Ah, c'est une location en fait. Voilà. Mm. Ah, la location non appartient maintenant. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est gentil ça. Ouais, malheur. On va dire que je l'ai pas mal aidé, du coup, je la récupère un peu, quoi. Bon, les gars, je vous dis de travailler bien, et puis je vous dis à demain. Allez, à demain, Romain. À demain, Romain. T'as une longue journée demain qui t'attend. Oui. Allez, bonne soirée. Ciao. C'est bon, Kanka, hein, je t'ai vidé. Allo Kanka? Ouais, ça y est. Sur le bord. Alors, où est-ce qu'il m'a rangé ça? Où est-ce qu'il m'a rangé ça? Ah, il l'a rangé là-bas. La coupe, du coup, est-ce que tu veux que je te ramène quelque part, Kanka? T'habites où, toi? La Kobalko, on n'a pas de moyen pour la transporter. Ah merde. C'est une sur-roue? Non. La chenille. Ah ouais. Défoncer la macadam, quoi. Ouais. C'est vrai. Marcus? Oui. Le chargeur avant de la...
Oui, enfin, le chargeur, le codé. Il est sur l'étagère. Ah oui. Oh. Non, 6. 6. C'est trouver l'entrée. En tout cas, ils avaient pas mal de prairies, hein, Ah ouais. les anciens propriétaires. Vache, canard, four. Je devrais même y passer de l'engrais, tu vois, dans l'herbe, histoire. Tonka Marcus, Tonka Marcus, t'en es où? Bientôt fini le champ. Ok, ben pour ta journée, ce sera bon alors. Y a eu des nouvelles de Red Lady? Non. Le maire de la ville. Non, je n'ai pas eu de nouvelles du maire. Ok, 82%. Donc que tu sois à 90. Kanka, Ouais. ça fait longtemps que tu habites en Belgique?
J'y suis né donc. On va dire que oui. Et le goût du forestier, c'est ça vient de ton père, enfin ça vient de la famille ou alors Non, mon père est agricole et tout le monde dirait, il a commencé à faire de la à travailler dans les forêts et j'ai tout de suite su adorer quand j'allais lui donner un coup de main. C'est qui j'ai pas compris, c'est qui travaillait? Il y a eu un bug dans la CB. Qui travaillait dans la forêt? Mon père était agricole, il a commencé à travailler dans les forêts, à faire une section qui travaillait dans les forêts et en donnant des coups de main, j'ai tout de suite accroché. Ah ouais, d'accord. Ouais, nous, c'est pas notre truc. Zach et moi, c'est pas notre truc. On est plus dans l'agricole. Mais bon, on viendra te donner un coup de main s'il faut. Hein. Moi, je suis plus dans l'élevage, surtout. Vraiment, l'élevage, ça me plaît. Les vaches, les moutons. Canard un petit peu moins, mais. Et c'est comme ça, IRL aussi. Réel, c'est complètement différent. Ah ben, en même temps, vu dans quoi tu travailles, approche un tout petit peu quand même. Au niveau des engins. Ouais, pas trop quoi. Au niveau des engins, je veux dire. Bon, des engins, pas forcément. Enfin, tu m'as compris, c'est un métier avec des engins, c'est pareil. Ah oui. Avec des engins hydrauliques. Remarque, tu vas dans le forestier, normalement il n'y en a pas tellement que ça. Ben, il y en a, mais. Il y a de l'hydraulique. Il y en a, mais je veux dire. Il y a pratiquement que ça maintenant, la foresta. Ouais, maintenant. Il y a des batteuses, des disques, enfin des chargeuses. Les camions. Alors, Kanka, j'ai oublié de le dire tantôt, mais on travaille avec un planning. Donc ici, bon, on te donnera l'accès aux archives des ordinateurs. On travaille avec un planning. Donc, enfin, on travaille avec un planning à Bougeronne. Je pense qu'on va refaire la même chose sur Belgique. Ça fonctionnait très bien avec les autres ouvriers à Bougeronne. D'accord. Juste que on le rédige le planning parce que On aurait besoin.
Ouais, du coup, je pense que l'ordinateur sera dans la salle de traite. Hein. Ouais, dans la salle de traite, hein. Bien. C'est là ce que j'ai été sur internet pour voir les machines. Ouais, c'est un site, quoi. C'est une application, tu peux l'avoir sur tablette aussi. Si jamais tu veux l'avoir dans ton tracteur, en cas où on n'est pas là. Voilà. Bon, on a bientôt fini ça. Moi, bon, j'attends sur le côté là. Après, ce qui est bien, c'est que les champs qui sont pas nous, on peut quand même les récolter. On va peut-être fort prévoir. C'est le propriétaire qui nous y a autorisé, donc En priorité, je pense, c'est l'ensilage pour pouvoir le vendre, faire de l'argent ou les bottes de paille. en tout cas priorité au champ de colza parce que le colza ça rapporte beaucoup. On en a. Il y a un petit morceau, ok. On va avoir fini bientôt. Ta CB lag, Zach. D'accord. On entend mieux là? Ouais, je t'entends mieux. À mon avis, tu passais sous un pont. Voilà, je suis sorti du pont, il ne devrait plus y avoir de problème. Et heureusement qu'il y a la musique dans la moissonneuse. J'ai laissé quelques bières dans la glacière qui est au-dessus là. De toute façon, dès qu'on a fini notre champ, je crois qu'on va faire une petite pause. On va aller se boire une petite bière. Ouais. Une Et bière puis. belge. Ah, Ah bah sûr. oui. Ça impose, hein, maintenant qu'on est ici. Et t'as pas des origines belges, toi, Marcus? T'as un petit accent. Bah, Il est fait. c'est-à-dire que. T'as été élevé, non? Un truc comme ça, par des Belges. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été faire mes études en Belgique. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, t'as chopé l'accent un petit peu. Oui, bah. Rester pendant T'as 8 ans. T'as 8 chopé ans en l'accent, je Belgique. crois. 8 ans, ah ouais, quand même. Ouais, T'as fait 8 ans d'études en quoi? En agro? en agro et. Agriculture, j'ai fait de l'ingénierat aussi. Et j'ai fait quelques formations parce qu'en Belgique ils font pas mal de formations en génie civil. Donc tout ce qui est conducteur de grosses machines, comme Kanka y fait. Ouais, c'est conducteur, hein, de machines agricoles, de poids lourds. Un cassesse. C'est ça, ouais. Ouais, il a passé la formation, il connaît même pas le nom. KSS, ouais. Ouais. Et donc j'ai passé mon permis poids lourd aussi en Belgique parce que pareil qu'il est beaucoup plus facile à avoir et le prix aussi est plus raisonnable en Belgique. Je l'ai passé quand j'ai fait mes études, donc. Coûte combien le permis en Belgique? Le permis poids lourd? Permis déjà, permis B, ensuite le permis poids lourd. Hein. Le permis B, bah, c'est 32 euros. Quoi? C'est 32 euros. Non. C'est ici. Tout le permis, tout. Le permis B, tout le permis, ouais. Enfin, juste le pratique, quoi. Et la théorie, c'est. Ouais, non, mais je veux dire au complet, quand tu pour l'avoir vraiment. Bah, tu Combien fais ça te coûte? 15 plus 32, ce qui te fait 47. What? Mais tu sais combien ça coûte en France? Moi, je viens de France, hein. Ouais, Tu dis-moi. sais combien ça coûte? Non, je Ça sais pas. coûte Ça coûte 1300 euros par là. Ah ouais, mais t'as des heures d'auto-école et tout des trucs ainsi. Ouais, mais bon, après, Ouais, je veux dire, c'est obligatoire, on te l'impose. ouais, on te l'impose.
Mais ici, enfin en Belgique, et si je me souviens bien, ils te l'imposent pas. Hein, donc. Ouais, mais enfin, franchement, je te dis la vérité. Hein. Si ça serait pas imposé en France, la majorité des personnes, s'ils avaient le choix entre qu'on nous impose que ce soit plus cher ou qu'on nous impose pas et qu'on n'ait pas d'aide en attendant, ils choisiraient tous la solution où tu payes moins. Moi j'ai choisi la solution pendant que je faisais mes études en Belgique. J'ai choisi la solution parce que je ne paye pas. Donc la famille qui m'a hébergé en Belgique pendant mes études, avant que je vienne à Bjorholm, il y a le monsieur qui m'a hébergé. Il m'a pris le permis quoi. Donc il était mon tuteur. D'accord. Et donc du coup, je suis resté 1 an comme ça en licence. Et après, j'ai passé mon permis. Ok, d'accord. Puis après, j'ai trouvé un petit taf en Belgique, toujours en Belgique, j'ai trouvé un petit taf. Donc c'était autre chose que l'agricole, je travaillais dans un dépôt en fait, qui s'appelle Ouais, tu Colruyt. faisais quoi? Ah. Et alors là, j'ai gagné un petit peu ma vie et c'est comme ça que j'ai payé mon permis camion. Enfin, que j'ai passé les autres permis quoi. Permis agricole, permis camion, permis moto, enfin tout le reste quoi. Ouais, Et du coup, attends, je te coupe 2 secondes. Zakakanka, Ouais. tu peux m'ouvrir la buse ici, histoire que j'ai pas besoin de rentrer dans le blé. Et alors après, donc une fois que j'ai passé tous ces permis, bah, avec le reste de l'argent, je suis reparti à Bjerholm, donc à la ferme de mes parents. D'accord. Mes parents ont pris leur retraite et c'est comme ça que. Et après, là, tu connais mon histoire. Et toi, raconte-nous un D'accord, petit ça peu remonte. ton histoire de la France à Bjerholm, comment ça se fait que je t'ai retrouvé à Bjerholm. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti dans le but de créer mon exploitation en France. Seulement, c'est un peu compliqué en France, ça se passe pas très bien généralement. Pas évident, on va dire. Donc du coup, j'ai cherché un endroit assez calme, assez étendu, pour pouvoir, comment dire, améliorer mes compétences. Puis pouvoir aussi m'épanouir dans ce métier, quoi. Donc du coup, je me suis déplacé à Bjorholm. Donc j'ai été hébergé par une famille, ça s'appelle le... Un nouveau système en fait, tu travailles pour la famille et en échange ils t'hébergent. Ça s'appelle du, je sais plus exactement le nom, j'ai trouvé ça sur un site. Donc du coup je me suis déplacé à Bjorholm, j'ai travaillé un peu là-bas et puis ensuite j'ai découvert une annonce pour l'emploi. J'avais déjà fait des papiers et tout, j'étais en règle, j'avais un visa et tout, un visa, j'avais un titre de séjour. C'était occasionnel, c'était pas pour le travail quoi. Donc du coup j'en ai profité pour aller travailler dans cette ferme et c'est là qu'on s'est rencontrés et puis j'ai pu me trouver un petit appartement et tout. J'étais assez content de trouver un Belge là-bas. Et enfin qui sait parler français quoi. Ouais, franchement, c'est pas facile, hein. Et puis voilà, après encore on s'est suivi, c'est tout, hein. Ouais. On s'est suivi. En fait, petite parenthèse, j'ai les bâtiments pour tout ce qui est équipement forestier. Je suis familier de la ferme de mes parents, j'ai des hangars, tout ce qu'il faut. D'accord. Et ça se trouve Voilà. où? À côté de la boucherie. Ah oui, oh, t'es bien placé. Et ça va, c'est pas trop. Y a pas trop de bruit. Bon, on entend les cochons qui sont tués, mais à force on les entend plus.
L'abattoir Et et tout, quand même. Ouais, l'abattoir. tu comptes et t'habites ta maison, elle est où? Parce que t'as, y a pas de maison là, t'as une maison tout près ou? J'habite dans le village, mais je vais sûrement faire bâtir une. D'accord, ok. Bon, on a presque fini. Ouais, On va rentrer, mais j'avais on va été aller manger. visiter. Zach, hier soir, j'avais été visiter un petit peu la Belgique, hein. Donc, enfin, la map, un petit peu, la carte, la ville, et tout, et c'est vrai que c'est un chouette village. Maintenant, quand tu vois, les routes, elles sont un petit peu étroites Ah bah c'est une petite campagne de Belgique, hein. par rapport à Björn, hein. C'est clair, je crois que Ah, ça change. les machines qu'on avait sur Björn, on va pas les acheter ici sur la Belgique profonde. Ah, pourquoi pas? Et d'être bon conducteur, hein. Avec un petit convoi exceptionnel, et c'est bon. Ouais, c'est clair. Pourquoi pas? Il Bon, faudra voir, de toute du façon. coup, je viens vous voir. Voilà, on a presque fini. Ah, je vois ça. On a presque fini. Après, on va aller Faudra. déjeuner, je pense. Ouais, on va aller se boire une petite bière. Il est 10h58, on va se faire une petite pause. On va aller bouffer, là. J'irai vider la remorque. C'est quoi que vous récoltez? C'est de l'orge. L'orge. J'irai la vider. Ouais, je suis descendu du tracteur, normalement tu dois pouvoir venir. Ouais. Et je suis là, hein. Je suis juste à côté du tracteur. D'accord, je te vois plus. Ah si, c'est bon. Je te vois tout en bas de là. Ah, d'accord. Pourtant, je suis juste devant ton tracteur. Ouais, ça m'arrive des fois de te mettre en sommeil en fantôme. On dirait Laura. Ouais. Du Ah, coup, on du n'a coup. toujours pas de nouvelles du maire. Non, pas de nouvelles du maire, non. Ok, bon. Bizarre. Bah, il va nous souhaiter la bienvenue, hein. Enfin, en tout cas, il m'a envoyé un message, je suis de passage. Mais sans plus, quoi. Donc, peut-être qu'il a regardé l'échange, je sais pas. Ouais, peut-être. Bon, ça va falloir que tu coupes. Après, je vais aller chier aux toilettes. Dès qu'on a fini ça, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a fini, on va aller se faire une petite pause. Devant chez toi, au banc. Ouais, au banc, vu que tu dois aller aux toilettes. Non, mais t'inquiète, on se boit la bière. Après, t'arrêtes ta vidéo et après, je quitte quoi. Il est déjà 1h19 par an. Ok. Ok. Ouais, bon, du coup, on se boit la bière. Ok, dingue. Bon, allez, bon, faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Ouais, Tu vois. tu peux partir avec le tracteur. J'ai pris Bah, d'autres fini de sphères. remplir ou pas? Quoi? Je vous laisse comme ça? Ouais, laisse-le comme ça, je vais reprendre la relève. Ok, je vais nettoyer au carwash. Allez, reprends ta vidéo là, hop. Ouais, du coup, Marcus, je vais aller nettoyer mon tracteur au Karcher là. Je te laisse le lien. Ouais, j'ai rangé ça. Puis dès que tu auras fini, on se retrouve, on se fait une petite bière. Ouais. Bon, ça y est, ce maudit champ, il est terminé. Ok, tu peux te vider, tu peux aller nettoyer ta moissonneuse et la ranger.
Alors, je graisse un peu les commandes de mon tracteur parce qu'elles font un petit peu de bruit. Ça s'entend. Ouais, on l'entend. Ouais, ben je les graisserai pour demain. Ok, Zach, t'es à la ferme? Ouais, je suis en train d'arriver. Tu sais regarder où ce que je peux aller vider de l'orge pour assez d'argent? Il y en a à la ferme aussi à prendre si tu veux. Faut juste que Et je me après, dirige au bon endroit. on compte charge en même temps. On est trop loin, je crois. Non, non. Comme passer le Karcher là. Ça ne veut pas se nettoyer. Pourquoi ça ne veut pas se nettoyer? Ah, bah j'allais le faire. J'allais le faire, Kanka. T'as été plus vite que moi. Tu veux le faire? Non, mais ça va, tu peux le faire. T'as plus l'habitude que moi. Moi, ça fait 6 ans que j'ai pu toucher à Un T6, un la 26 et T6. trop. Je travaillais avec des C'est bon pour télescos. Je travaillais avec des télescos avant, donc c'est autre chose quoi. moi. Ouais, du coup, je vais ranger le tracteur, moi. Tout cas, je sais qu'il faut aller doucement pour les marches arrière et tout quand t'es chargé parce que c'est lourd par rapport Ouais, au. puis il n'y a pas le bon poids derrière. Ouais. De toute façon, c'est momentané parce que Zach et moi, on déteste les T6, on n'aime pas. Donc. On va acheter un Liber. Enfin, c'est pas dans l'urgence, je pense, hein. Pas dans l'urgence, je pense. Tu m'entends toujours, Marcus? Bon, mais si tu veux du temps que tu auras à vendre ça, attends, je vais te dire où est-ce que tu peux aller le vendre. Donc, apparemment, oh, c'est du colza. Non, c'est pas du colza, c'est de l'orge. D'accord. Apparemment, l'orge, tu peux le vendre au Bioserre. Oh, Bioserre, ok, il faut que je regarde où ce que ça se trouve sur la carte. C'est en bas à droite, il me semble. Donc, Bioserre. À côté du champ 19, non? Ouais, faut que je passe ce pont. Cette fois-ci, il faut pas que je le rate parce que tantôt je l'ai raté. J'ai dû faire un demi-tour. Ok. Toi aussi t'es bugué par contre. Ah d'accord, bon. Pas grave. Juste à côté de vous.
Bientôt plein, Kanka? Bah, Bientôt. t'es bientôt fini. Combien y a de capacité dans ta benne? Enfin, dans ta benne, Dans le godet. dans le godet, pardon, j'ai bugué. Une tenute. Ah, t'as encore 2 allers-retours à faire. Ah, tu l'as pas vidé complètement ton godet. Bon, c'est pas grave, il peut qu'il reste, vas-y. Je crois que je vais conduire avec la carte parce que franchement j'ai du mal à m'y faire à cette carte. Ah, moi ça va, je commence à l'assimiler là. Allez, faut se dépêcher parce que je vais bientôt devoir aller chercher mes enfants à l'école. On est quel jour aujourd'hui? On est vendredi, hein. C'est le dernier jour, il n'y a pas que je sois en retard. Hein. On va aller manger. Oula! Encore Ouais, un ça va. peu, Kanka il s'est retrouvé par terre. Qu'est-ce que je dis? On n'est pas vendredi, on est lundi. Ils Pff, ont j'ai pas. fini tôt. Ils ont quel âge tes enfants? Ils ont 6 ans. Ils ont fini tôt quand même. Le plus petit a 6 ans et la plus grande en a 7. D'accord. Donc, du coup, Je sais pas. pour aller manger. Ok, n'oublie pas de passer au Karcher, Kanka. Je suis. Attends, je vais le faire, que je serve à quelque chose un peu. Allez, bon. Et du coup, Marcus, on t'attend. Mais ça se nettoie pas, hein. Bien incrusté. Tout ce que je vois. J'ai du mal avec les routes. Hein. Moi qui suis habitué aux grandes routes de Bjorholm. Sur ce, ma journée va s'arrêter là. Du coup, j'arrive pas à nettoyer le tracteur. Tu peux le faire, Kanka? Je vais rentrer chez moi. Ok. Demain, j'essaierai de trouver un plateau pour aller chercher la peine pour assurer. Ok. Parce que là, bah, le magasin.
Je vais en acheter une pour toi, Kanka. Dès que j'ai Ok. l'argent. Ah, mais faudrait un camion aussi. Ah oui. Je sais pas si tu peux le prendre. Non, tu peux pas le prendre avec autre chose. T'as bientôt fini, Marcus? Ouais, j'arrive, j'arrive. Bon, là, je vais être en retard, ma femme va me gueuler dessus après. Ma femme, hein. Oh oui. Bon, mais du coup, je sors les bières du frigo Ouais, tu peux déjà les sortir. ou... Alors, Allez. dans l'armoire à la cuisine, il y a des chips. Ouais, hop. Ok. Alors, les décapsuleurs, il est où? Dans le tiroir. Dans le tiroir où est-ce qu'il y a les couverts. Ok, allez. Bon, mais je serai assis sur la table de jardin. Ah, je sais, il y a encore des caisses dans le salon et tout, donc on va manger dehors, quoi. Ok, bon, bah, Ouais, je sur t'attends. ce, Allez, bonne journée, à Kanka. demain. Ouais, prends ta bière avec, Amuse-toi hein. bien. Non, Bah, pas de tiens. soucis. Allez, ciao, à demain. À demain. Allez, bonne route. La chance, les bières sont bien fraîches. Bon, je gare, de toute façon, il n'y a pas de voiture qui passe ici sur la route. Et je viens boire ma bière. Ton jardin. Le problème, c'est que j'arrive pas à aller dans mon jardin. J'ai des lags. C'est pas ce Ah, que je j'ai. sais pas. On va rester dans les machines. Ok, alors, t'en penses quoi des nouveaux acquis? Il a du potentiel quand cache. Et Romain aussi, je trouve. Ouais, Romain il a semé là, de chance. Ouais, tous les deux du bon potentiel. Ils ont l'air vaillants pour l'instant. Ouais, par la suite. Bon, bah, je te laisse aller à tes enfants et à ta femme. Allez, salut Zach. Allez, à demain. Demain matin, 6h. Ouais, ok. Enfin, on sera là à 6h, 6h30. Plutôt parce qu'il faut que j'accompagne mes gosses. Je vais arriver. Ça va être... À demain.
Allez, ciao, à demain. Ciao, ciao, à demain. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires. Je vous y répondrai. Vous étiez en compagnie de Zach, Romain, Kanka et Marcus 7332, dit le loup fermier.